Mathieu est un petit garçon de 10 ans qui a des drôles d'habitudes. En ces mois d'août torride à Rome, il monte sur la terrasse de son immeuble en se faufilant entre les barreaux de la grille qui en empêche l'entrée. Et il se porte du côté d'un Velux d'où il épie son voisin du dernier étage. Et il est tous les soirs, son voisin aussi est quelqu'un d'assez bizarre, parce qu'il les retrouve tous les soirs dans sa baignoire en train de peigner et de savonner une très jolie fille. Or, le problème est que tout le monde sait que ce voisin n'a aucune relation et surtout il n'est pas marié et il n'a pas de femme. La seule explication, pense Mario, est que cette fille est prisonnière. D'ailleurs, c'est ce qu'il pense aussi son meilleur ami, auquel il a tout raconté. Et ainsi, les deux gamins n'ont qu'une idée, c'est d'aller libérer leur princesse. Mais ils ne savent pas, ni l'un ni l'autre, que le problème n'est pas tellement d'entrer dans l'appartement du voisin, mais c'est plutôt d'en sortir. Dans cette illusion tragique, c'est le titre du roman, c'est l'histoire en fait, c'est un roman sur l'enfance menacée et sur une vie qui ne peut rien faire d'autre que faire de cette enfance à jamais blessée son propre destin. L'histoire est racontée dans une mécanique de poupée russe et dans le sens que les scènes ne font que se métamorphoser les unes dans les autres, presque identiques dans leur esprit, dans l'angoisse et dans la peur. Et par moments, il y a une sorte de répétition obsessionnelle, un peu comme dans les Twin Peaks de David Lynch, dans le but justement d'augmenter à chaque fois l'angoisse qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Ce qui a été très, très émouvant, c'était justement d'essayer de voir ces mondes des adultes très dangereux et en même temps rassurants quand il s'agit de sa propre mère, puis perdre cette assurance, puis se poser des questions sur est-ce qu'elle va choisir moi ou quelqu'un d'autre. On ne peut pas entrer évidemment dans les détails, mais ce point de vue de l'enfant est un point de vue de quelqu'un qui voit le monde comme quelque chose qui lui échappe et quelque chose d'où il est constamment rejeté. Et en même temps, cet enfant a un alter ego ou peut-être aussi un ami qui devient à un moment donné présent et absent en même temps, auquel il confie ses peurs et duquel il attend une aide qui paradoxalement arrivera par la voix de cet enfant. C'est très mystérieux ce que j'ai dit, mais je ne peux pas tout révéler. Mais c'est vrai qu'ayant à un moment donné cet enfant perdu le phare qui représente un adulte et l'assurance qui lui donne l'amour d'une mère, de toute façon, lui, il en doute, il a besoin, comme s'il avait besoin cet enfant, de recréer un lien qui l'attache au monde pour qu'il ne perde pas ses liens. Voilà, avec la réalité, avec le monde. Il y arrive, il répare ce qui lui est arrivé dans la suite de son histoire, mais en même temps, nous nous rendons compte qu'on répare et on ne répare pas, c'est-à-dire que la forme que l'avenir prend est toujours dans un sens déterminé, qu'en fait, on n'efface rien, on ne peut qu'apprendre à vivre avec. Et parfois, la manière qu'on a de vivre avec est une manière qu'on n'a pas prévue. Elle n'est pas forcément celle qu'on a imaginée. La difficulté, c'est d'être effectivement juste quand on imagine les pensées, la manière d'appréhender l'espace d'un enfant. L'espace dans le sens plus large du terme, l'espace physique, mais aussi l'espace affectif, l'espace imaginaire. Ça, c'est le plus difficile, mais bon, jusqu'à un certain point, puisque nous savons ce qu'est l'enfance, puisque nous avons tous eu une enfance. Donc ça, et de toute façon, c'est vrai que le travail d'écrivain est exactement cette bizarre activité de se glisser dans tous les personnages qu'il crée, au point
de ne plus savoir exactement, et ça, ce n'est pas indifférent au roman, je le dis, il y a quelque chose de ce que je suis en train de dire aussi dans les romans, au point de ne plus savoir qui il est.